Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer, mais je vous le dis tout le temps, mais là vraiment parce que j'ai reçu un colis ce matin d'une marque, on va en parler tout de suite après, et je me suis retenue de toutes mes forces pour ne pas l'arracher directement, voir ce qu'il y avait dedans, parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais je voulais vous faire découvrir ça ensemble en mode unboxing. Donc vraiment j'ai attendu, j'ai posé ma caméra, j'ai posé mon trépied et on va ouvrir ça. Voilà la bête, je me suis munie de ma petite paire de ciseaux et bah je vais vous rapprocher de moi, enfin ou plutôt vous éloigner histoire qu'on puisse voir ce que je suis en train de faire. Et let's go! Je trouve le cadrage plutôt pas mal, si je me mets comme ça, ça devrait être bon. C'est parti! On va essayer de faire gaffe, je sais pas trop comment s'enlève des dents. Je vous avoue que c'est extrêmement lourd et que je savais que ce serait assez lourd, mais je sais pas, on va voir. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Regardez la taille des bulles, attendez, j'en ai jamais vu des aussi grosses. Peut-être que c'est parce que j'ai pas assez fait de déménagement ou quoi dans ma vie, mais... J'ai trouvé mon occupation pour l'après-midi. Oh ! Ah par contre, attendez, regardez. Le papier bulle, tac, et quand j'ouvre... Tada ! Je sais pas si vous voyez bien. Ofena. Donc c'est de la marque Ofena, vous l'aurez compris. Ce sont, vous l'avez vu dans le titre, mes nouveaux étriers. Ofena est une marque dont on entend pas mal parler en ce moment quand même, sur Instagram notamment. Du coup quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Alors, sur le dessus, il y a cette première boîte, pochette, assez fine. Et en fait dessus il y a écrit Magnetic Insoles, c'est-à-dire semelle magnétique en anglais. Pourquoi? Parce que ce sont des semelles qu'on va glisser dans nos bottes et les étriers ont un plancher aimanté, donc nos bottes vont tout simplement agripper sur l'étrier, et c'est en ça que consiste l'innovation, et c'est pour ça que cette vidéo est une introduction à celle qui suivra, dans laquelle je vous présenterai la marque plus en détail et pourquoi cette marque est vraiment différente des autres marques d'étriers, parce que vraiment je trouve que ça innove énormément dans le monde du cheval, et je vais tester ça dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai, voilà, je vous dirai. Ensuite quand je récupère ce qu'il y a sur le dessus du colis, j'ai une petite carte comme ceci, Ofena, avec écrit merci beaucoup Héloïse, ils ont écrit en français parce que la marque est anglaise, c'est mignon je trouve comme attention d'avoir écrit en français. Alors je vois sur la boîte qui fait exactement la taille du colis, soit disant passant, que c'est made in Sweden, je ne sais pas comment ça se prononce, fabriqué en Suède quoi, donc je vais découvrir ça. Avant de déballer les étriers, je vous propose de déballer cette petite pochette là, donc les semelles magnétiques. Il y a un petit scotch, je vais ressortir mes ciseaux. Hop là. Tac. Attention. Encore du papier bulle. Oui, cette fois c'est des mini bulles auxquelles je suis habituée. Voilà, personnellement j'ai pris une taille 39. C'est assez étonnant, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épais. Donc voilà, quand vous les ouvrez, elles sont de couleur bleue. Oh, attendez. Ok, je crois que ça se colle en fait, au fond de la semelle de la botte. Donc sur la boîte, c'est pas écrit en français, hein, c'est écrit en anglais. Ok, donc ils nous disent qu'il faut lire le guide qui vient avec les étriers. Je suppose qu'on le verra tout à l'heure quand on ouvrira la boîte. Et que ces semelles sont faites pour être utilisées exclusivement avec les étriers magnétiques qui vont avec, ça paraît logique, c'est la même marque, voilà. Donc elles sont quand même assez épaisses, il me semble que c'est du cuir. Donc la taille 39, ça je vais mettre de côté, je mettrai dans mes bottes pour mon cours d'équitation de demain. Et pareil, je vous ferai le retour là-dessus, la sensation dans les bottes, est-ce que c'est dérangeant ou pas. C'est sympa parce que quand on regarde de près, donc il y a écrit toujours Ofena avec le logo juste ici, et en fait c'est en daim, et voilà, ça m'a l'air de bonne qualité, bien épais, super. Déjà c'est assez drôle parce que regardez, hop, ça s'aimante en fait, donc c'est bon, pas d'arnaque sur la marchandise, c'est bien aimanté. C'est assez lourd, c'est bon, j'ai plus rien dans ma boîte, le carton est vide, je peux le sortir, donc c'est vachement bien protégé je trouve, entre le papier bulle et le plastique. Non par contre si je commence à faire des dégâts ça va pas le faire. Alors, oui, regardez-moi ça, voilà. J'essaye de vous faire des plans un peu de qualité, mais bon, ça reste un unboxing. Les plans de qualité, vous les retrouverez dans la vidéo qui suivra. Ok,
Alors, je vais peut-être changer de cadrage de caméra pour que vous voyez exactement comment je l'ouvre et ce qu'on voit quand on l'ouvre. Trop hâte. Dites bonjour à mes mains et à mes genoux parce que ma tête, pour l'instant, vous ne la verrez plus. Attention. Ah, ça s'ouvre facilement. Waouh. Ça se voit que c'est chic, hein. Pouh, trop beau. Ok, donc j'ai ce petit carnet. Thank you, Ofena. Ride with confidence. Monter en toute confiance, en gros, monter à cheval en toute confiance. Donc merci pour votre achat, etc. Un petit papier, voilà, d'information sur la team Ofena que je lirai tout à l'heure. Donc c'est en anglais, hein, je précise. Et voilà, on a les étriers. Voilà, et quand je vous dis que c'est une innovation, est-ce que vous avez déjà vu des étriers de cette forme-là? Sublime. Je vous mettrai des liens, hein, pour au cas où vous voulez les acheter, etc. dans la barre d'infos. Donc, c'est bien ça. Ils nous mettent le papier right, donc droite. Et je suppose que sur l'autre, bah, c'est écrit left. Bravo Einstein. Ouais, c'est ça. Left, ici. Donc, étrier gauche ici, étrier droit ici. C'est extrêmement beau. Donc argenté, on n'a pas le choix de la couleur quand on prend ce modèle là, donc c'est le modèle Ofena S, et il y a aussi le modèle Ofena T qui coûte beaucoup beaucoup plus cher. Et ah ouais, je sens que c'est aimanté, ça vient de s'aimanter en fait, vu que bah ça c'est du métal, donc évidemment ça s'est aimanté au plancher, tac, vous le voyez. Bon, ça, ce sera le test. Demain, j'ai cours d'équitation. Je testerai sur le plat, du coup, vu que c'est le premier de l'année. Ce sera mon test de rentrée. Et on a aussi ce petit papier, ruban. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est mignon. C'est écrit quoi? Owner's Guide. Le guide du propriétaire de ces étriers, je suppose. Mais c'est tellement joli avec le petit ruban, etc., que j'ai même pas envie de déballer. Bon, il faut s'y faire une raison. Je remettrai bien après. Tac, donc petit guide propriétaire des étriers avec toutes les explications, mais ça je vous en parlerai encore une fois dans la prochaine vidéo. Alors je vous retrouve déjà un petit peu plus à ma hauteur pour clôturer cette vidéo parce que vous n'en saurez pas beaucoup plus sur ces étriers très intrigants. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description de celle-ci quand elle sortira, la vidéo dans laquelle je teste, j'explique, etc. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont quand même très lourds. Moi, j'aime ça, les étriers lourds. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et je peux le comprendre, mais personnellement, je trouve que ça me permet vraiment d'avoir mon poids du corps beaucoup plus vers le bas et je trouve ça plus agréable pour monter tout simplement mes étriers. Actuellement, ce sont des réflexes qui sont quand même assez lourds et bah ceux-là ils sont parfaits. Enfin, je trouve en tout cas esthétiquement, le design peut ne pas plaire à tout le monde. Et ce que je peux vous dire tout de suite également, si jamais il y en a qui comprennent pas trop comment ça se met, comment ça fonctionne, cette partie-là elle est à l'intérieur en fait. Donc, si vous regardez un cavalier de dos, il sera comme ça, enfin plutôt comme ça, vu que celui-là c'est le gauche et celui-là c'est le droit, en tout cas pour moi. Voilà, ça se situe comme ça avec la tête du cheval, enfin le ventre ici. C'est très chic le mouvement que j'ai fait comme ça en mode regardez, je suis un cheval. Bref, j'ai hâte de tester ça. Je vais un petit peu ranger la boîte et les préparer pour mon cours d'équitation de demain, premier de l'année. Je testerai sur plage. Avant de sortir la vidéo, je testerai aussi sur le saut parce que je pense que je peux pas vous faire une vidéo avec assez de recul si jamais je n'ai pas testé les étriers dans au moins deux disciplines. Et puis voilà, je vous propose de laisser un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss !